Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster Pokémon avec l'une des dernières séries qui est sortie de chez Pokémon. Donc on est sur du Pokémon Écarlate et Violette. Sur du Couronne Stellaire, j'ai fait une petite sélection de tripacks. Comme vous pouvez le voir, on va avoir 3 tripacks à ouvrir où on a effectivement une carte promotionnelle, comme vous pouvez le voir, avec le fameux Latias. Donc du coup, que j'ai sorti en 2 fois parce que je crois qu'il n'y avait que 2 carte promo sur ces tripacks, hein. Et un Pokémon que j'adore, c'est Porcelina, qu'ils ont fait sur ces tripacks. Donc pour m'encourager les amis, soutenir la chaîne, je compte sur vous, les petits j'aime, les petits commentaires, ça soutient énormément la chaîne, et j'espère qu'on va avoir de belles surprises sur cette ouverture. Donc on aura au total, comme vous pouvez le voir, 9 boosters, ainsi que les cartes promotionnelles qui sont présentes dans chaque tripack. Donc on va pouvoir s'ouvrir cela dans un instant. Et puis regardez un peu plus en détail les cartes, hein, qui sont présentes dans ce coffret. Donc c'est parti pour l'ouverture les amis du tripack, hein. Donc sachant que sur la série de Pokémon Écarlate et Violette Couronne Stellaire, il y a des, quand même des cartes qui sont bien sympathiques. Et c'est surtout pour ceux qui auraient déjà découvert le TB, on a des cartes arc-en-ciel, hein, qui sont présentes dans ce coffret. Donc là, on a déjà un premier booster que j'ai pu récupérer. Un premier booster. On a également le deuxième avec la carte promo. Je vais essayer de vous récupérer la petite carte promotionnelle qui est juste là. Donc, 1, 2, 3 boosters pour le premier tiering pack. J'aime bien l'aspect de cette série, hein, de Pokémon Écarlate Violette sur les devantures, sur les boosters. Ils sont pas mal. Donc plutôt cool. Donc on va regarder déjà le petit Latias qui est juste ici. Donc c'est bien une carte promotionnelle, elle n'est pas directement sur la série et qui est vraiment sympathique, hein. Ce que j'aime bien chez sur la série de Pokémon Écarlate et Violette, sur les cartes promotionnelles, ils ont fait vraiment l'aspect brillant tout autour. Côté argenté, ça leur donne un petit plus, hein, par rapport à la série classique. Donc notamment le petit Latias qui est juste là en carte promo, qui va rejoindre bien évidemment la collection, parce qu'elle est magnifique. Si vous voulez l'obtenir, bah, n'hésitez pas, pour ceux qui jouent au JCC Pokémon Live, utilisez le code, n'hésitez pas, c'est offert comme d'habitude. On a également les autres boosters qui arrivent, hein, que je vais rajouter juste ici. Je vous offre également, comme vous pouvez le voir, la Forgelina en holographique. Magnifique, très beau design. Elle est bien énervée, hein, sur le design, comme on peut le voir là. Vraiment très très cool. Donc le petit QR code, pareil, si vous voulez l'utiliser sur le JCC Pokémon Live, via l'application, sur Android, sur l'Apple Store, sur votre PC, n'hésitez pas. Et pareil, si vous voulez un deuxième Latias, hein, n'hésitez pas aussi à utiliser les QR codes, comme d'habitude, je vous les offre, c'est cadeau. Donc on va bien vérifier que j'ai bien les 9 boosters, donc 3 au sol en vert, 6, 9, avec ceux-là, ouais, on a bien les boosters. Et j'adore les illustrations en terra cristal, là, franchement, elles sont sublimes, hein. À son sublime, ça mériterait de garder un art set de chaque série, mais après c'est vrai que j'ai toujours la passion d'ouvrir, donc bon. Et ben on va pouvoir démarrer les amis sur cette ouverture. Je vais me prendre quelques petites pochettes effectivement pour protéger tout ça. Si jamais on sort des cartes, on n'hésite pas. On a un petit Malvalam en devanture que j'avais sorti je crois sur l'une des ETB, il me semble. Ou sur l'un des coffrets, je sais plus. À force de faire des ouvertures chaque mercredi, je sais plus à force qu'est-ce qu'on a obtenu. Et ben c'est parti, on y va, on démarre avec le premier booster. C'est parti les amis, oh lolo. Ah, ah, j'ai ouvert aussi de l'épée bouclier, donc je me suis mis à l'envers. Donc pareil, le petit code comme d'habitude pour ceux qui jouent directement au jeu société via l'appli. N'hésitez pas à les utiliser, ça vous fait des cartes supplémentaires. Et ben c'était parti les amis, on démarre avec une énergie ténèbre, suivi de Patachio, Tauros, Écaillon, Brasillon, oh Celebi, je me rappelle plus quoi elle était dans cette série, petit Celebi, je sais pas s'il y a la possibilité de l'avoir soit en reverse soit en holo, si elle pouvait sortir ce serait pas mal. Pandarbar, il est bien en colère là sur la carte comme on voit, un petit Croix Boral. Ok, suivi de Diancie en reverse, et puis on va terminer je pense avec une brillante, ah non, deuxième reverse pour encore, avale tout, oh, 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 petit Charmina, ex, ok,
du Charmina X hein, qui pointe le bout de son nez. Oh, le cadrage il est un peu planté. Il y a un petit décalage, mais ça reste quand même plutôt cool à sortir. Charmina en X. Ok, donc première ultra rare de ces tripacks où j'ai fait ma petite sélection. Et ben mérite bien sa petite pochette. On va la protéger, bien évidemment. Et on va la mettre en devanture si vous voulez en profiter. Ok, ben on continue avec le deuxième booster, les amis. On y va. C'est Palti. Donc deuxième booster avec l'illustration, je ne me rappelle plus de son nom de celui-ci, je n'arrive pas à le reconnaître. C'est l'un des derniers Pokémon légendaires de Pokémon Écarlate et Violette. Hein. Allez, deuxième booster les amis. Dommage que j'ai le petit décalage sur la Charmina X, mais ça reste quand même cool. Alors, on va démarrer avec quelle énergie? On démarre avec une énergie haut les amis. Suivi de Gourmelet. On continue avec Riolu. Kongfuin, ok. Coxie. Élecable. Oh, le design est sympa de Élecable. Alors moi, quand il y a beaucoup de détails, c'est bien prononcé au niveau des dessins, qu'il y a énormément de détails, j'adore ça. Pour ça que j'aime la fameuse carte Giratina V alternative de épée bouclier. Il y a énormément de détails, et c'est l'une de mes cartes préférées. Vous devez souvent l'entendre dire en vidéo. On continue avec Azumarill. Lucanou. Ah, une petite Reverse avec Oxyglotte qui est toute mignonne, j'aime bien. Sympa. Est-ce qu'on va voir quelque chose sur ce booster? Une deuxième Reverse avec... Oh, Flambino qui est cool. J'adore Flambino, il est en mode happy. Il est heureux. et... Oh, une arc-en-ciel. Mais dis donc, ça commence fort pour cette ouverture. Comme quoi, les tripacks... Alors, il y a, je sais qu'en arc-en-ciel, je crois qu'il y en a 3 sur cette série. Il y en a 2 que je convoite. J'avais déjà sorti sur le TB la Megavolt, je crois que c'est en ex ou Megavolt classique en alternative, qui est fort sympathique. Et j'aimerais bien avoir le petit Pyrobut là, ou le Loclas. Pyrobut en premier, Loclas en deuxième, et. Oh, ce sera une Megavolt. Hey, je m'en souvenais plus qu'elle était là, en classique. En tout cas, en arc-en-ciel, elle ressort vachement bien quand même. Elles sont propres, elles sont classe. Hein. Megavolt X. C'est dommage, il y a quand même la Pyrobut que j'attends. C'est pas forcément extrêmement difficile à sortir. Mais j'aimerais bien la sortir quand même, je vous avoue. Alors attendez, j'ai un souci de pochette. J'ai un souci de pochette, les amis. Je retrouve plus ouverture. Donc la Megavolt X, qui est magnifique en tout cas. Ils ont fait de sacrés détails quand même sur les en mode arc-en-ciel. Un petit peu, un peu moins prononcé que l'alternative, mais ça reste quand même plutôt propre. Bah, 2 boosters, 2 ultra rares, les amis, dis donc, on est pas mal. On est pas mal. Et ben, on va voir si on continue sur toute lancée avec le 3ème booster. C'est parti, 3ème booster. Hop là. Est-ce qu'on va ressortir une ultra rare? Ce serait fort. Si je sors encore une ultra rare, les amis. On est gâté, on serait gâté sur cette ouverture. Allez, c'est parti, une énergie ténèbre. Suivi de la pyro. Il y a une AR en la pyro aussi qui est magnifique. Ce serait cool de la sortir. Gourmelet. Electek. Laisse tomber. Ok. Reshiram, ah, j'adore ce Pokémon, Reshiram. Pokémon feu. L'un des Pokémon légendaires. Plutôt cool. Azumarill. On continue avec Bria. Oh, une petite reverse avec Chaglam. Une deuxième reverse avec Angoliath. Et avec on va terminer encore une ultra rare. Et bah dis donc les amis. Ok, un Melmetal X. Ok. Ouais, bah c'est pas mal du tout le ratio là. 3 ultra rares. Bah en 3 boosters. D'accord. Ok. Bah si c'est comme ça pour tout pour chaque booster. Ça me va. Franchement, ça me va. Donc, la Melmetal X Ultra Rare. Ok, de yon. On est plutôt bien sur cette ouverture. Hein. Donc, il nous reste 6 boosters. Et ben, écoutez. On perd pas la main. Hein. On continue. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, est-ce qu'on va quand même sortir d'autres cartes? Parce que là, on a sorti 3 Ultra Rares assez basiques, je dirais. Mais qui restent quand même bien. J'ai un petit coup de cœur pour la Megavolt X quand même. C'est plutôt cool. Bah, du fait qu'ils aient rajouté l'aspect arc-en-ciel, on n'avait jamais vu ça, je crois, sur,
sur les séries de différentes séries de Pokémon, et du fait qu'il est rajouté, bah ça donne de l'originalité. Allez, on démarre avec une énergie acier, suivi de Motisma Dante, Kung Fuin, Motisma Hélice, donc on a la tonte, on a l'hélice, je sais pas qu'est-ce qu'on aura après. On continue avec Coxie et les câbles. Boreas. Coraidon. Ok. Allez, une première reverse avec Coxie. Une deuxième reverse avec Azumarill. Et ce sera une brillante avec Mega Pagos en type O. Ok, donc l'une des holos, bah c'est la première holo que je sors, je crois, sur les boosters. D'accord, d'accord. Allez, on continue, c'est parti. Il nous reste encore pas mal de petits boosters à ouvrir. On va voir si on peut avoir encore quelques surprises. Je pense que oui, je pense qu'il y a moyen de refaire peut-être encore, ne serait-ce une ultra rare. Je le sens bien, je le sens bien. On va voir si on a de la chance. Allez, le petit QR code, comme d'habitude, je vous l'offre. Et c'est parti avec une énergie, les amis. Plante. Suivi de Chaglan. On continue avec Crémy. Ocelet. Ponyta. Ok. Fait plaisir de le revoir, Ponyta. Sympa le design. J'aime bien l'illustration de la carte du Ponyta dans la forêt. Malamandre. Flambusa. Un crabe abominable. Allez, une première reverse avec le Chafrou. Une deuxième reverse avec... Oh, l'eau classe. Très jolie. Très très jolie. Et on terminera avec une brillante Clitty-Click en holographique. Ok. Allez, il nous reste 4 boosters, les amis. On continue. Alors, sur les tripacks, c'est vrai que le ratio est complètement aléatoire. On peut avoir vraiment de bonnes comme de mauvaises surprises. Là, notamment, on a bien débuté, je dirais. Et c'est vrai que c'est assez aléatoire sur du tripack, donc ça peut valoir le coup d'en ouvrir comme je le fais des fois de temps en temps. N'hésitez pas à vous faire plaisir des fois à ouvrir des tripacks sur les différentes séries. On peut avoir de très bonnes surprises, hein. Faut pas hésiter. Et là, on va voir si on continue sur une bonne lancée. Allez, on démarre avec une énergie. Oh, Carapados. Chafreux. Chaglam. Crémy. Alors, un supporter Rubépin. On continue avec Pandarba. Mounouflou. Allez, première reverse avec Riolu. Une deuxième reverse avec Flamajou. Et une brillante avec Clitty-Click encore. Ok, Clitty-Click qui ressort encore une fois. On a sorti précédemment. Et elle ressort. Allez, trois boosters. C'est vrai qu'on a fait... presque le plus gros du travail, j'ai l'impression, en début de vidéo. Mais je pense que sur 3 boosters, on peut avoir de la chance encore peut-être de sortir des petites cartes. Je cherche pas forcément les grosses cartes sur cette série, même petit Pyrobut en arc-en-ciel, je dis pas non quoi, ou un petit low class. C'est vrai que j'en ai sorti 2 sur cette série. Un petit Pyrobut ou un petit low class, franchement, ce serait génialissime. Allez, on démarre avec une énergie feu. Rhinocor. Laisse tomber. Tout à fait. Lupio. Lumineon. Abîme Zéro. Ok. Azumarill. Oh, arbre majestueux. Bah effectivement, il porte bien son nom, il est majestueux. La carte est magnifique, j'adore. On continue avec une Reverse de Grimalin. Est-ce qu'on va avoir autre chose sur ce booster? Non, on terminera avec un Megapados qui est sorti aussi une deuxième fois. On a eu 2 Megapados, 2 Clitty-Click, ok. J'adore ce design des dresseurs, vous avez déjà entendu le dire en vidéo, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Une petite, un petit arbre majestueux, c'est un stade hein, pour ceux qui jouent au jeu. Et bah, il est majestueux, ouais. Effectivement, on peut le redire, elle est belle. Ok, donc ça fait quand même 4 ultra rares sur 9 boosters, on n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal. Hein. Allez, on continue, il nous reste 2 boosters, les amis. Oh, le paquet s'est ouvert très facilement. Ça a envie de sortir. Ok. Attention, suspense. En tout cas, au niveau de l'imprimerie, ils ont fait un très très bel effort sur cette série. Elles sont très bien finies, l'épaisseur est bonne et tout. Donc ça reste quand même propre. Allez, une énergie psy, suivie de Duraluon. Pan d'Espiègle. Fossile plaque ancien.
Lambino. Talo. Low class. On continue avec Reshiram. Allez, le premier reverse avec Gourmelet. Il me fait trop rire avec son champignon, il va le bouffer. Il va le bouffer, il est prêt, il est chaud, attention. Mettez pas le doigt. Allez, deuxième reverse. Ouh, Zeraora, elle est magnifique. En reverse, j'adore le design. Oulala. Je l'avais pas encore vu. Mais le design, en tout cas, il est plutôt cool. Et on terminera avec Charmilly en holographique. En tout cas, le Zeraora en reverse, elle est super belle. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la Zeraora. Moi, j'adore. Ok. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on va sortir encore quelques cartes? On aura eu quand même quelques trois rares. Ce qui n'est pas rien, les amis. Donc, le ratio est déjà là, je dirais. Hein. Petite cinquième, ce serait vraiment génial. On va voir si on a... Si on peut pousser la chance. Allez, dernier booster. Et on démarre avec une énergie. Ténèbres. Suivi de Gloopy. Motorizard. Clic. Charbambin. Diancy. Oh, je suis allé un peu vite. Terra Cruel. Lanterne. Rhinocorn en reverse. Ok. Suivi de Croaporal en reverse aussi. Et on terminera, les amis, avec une brillante Vasilis. Ok. Donc voilà, pour cette ouverture Vasilis, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien le design de la carte. Donc on aura quand même sorti 4 ultra rares, dont une dresseur. Et des Pokémon X, hein, je vais vous montrer tout ça. Donc là on a l'arbre majestueux juste ici. Donc très belle illustration en dresseur, je trouve ça sympa ce qu'ils ont fait. On continue avec Melmetal X, qui est vraiment sympa. Suivi de Chalmia X, les amis. Donc plutôt cool également de l'avoir sorti. Et une que j'ai bien aimé, hein, qui est pas mal en arc-en-ciel, j'avais sorti l'alternative, c'est la Megavolt X, qui est très très belle aussi. Et j'espère un jour pouvoir quand même sortir la Pyrobut ou la Lucla, ce serait bien. En vidéo, ça reste quand même plutôt cool. Et si vous voulez acheter les tripas, je vous remonte les cartes promo, profitez-en. On a la Latias en holographique juste ici. Donc Latias, un Pokémon que j'admire particulièrement, plutôt cool. Et Forgelina, donc dernière génération actuellement, hein, le Pokémon Forgelina, qui est sympa aussi. Et bien on a terminé pour cette vidéo les amis, donc petite ouverture tranquillou. Donc voilà, je voulais faire des petits tripacks, c'est sympa à faire aussi. Ça permet de découvrir un peu quelques cartes hein, de cette série de couronne stellaire, de Pokémon, voilà. Pokémon couronne stellaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On fait chaque mercredi de l'ouverture de booster Pokémon, j'essaie de maintenir ce format. Et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos. Salut tout le monde!